Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Gadu Gaming pour ce 7ème épisode de Borderlands The Prey Sequel. Toujours en compagnie de Cus qui s'agenouille. Ça y est, on se dépêche. Oui, on arrive. Alors, on doit aller. On arrive. Alors là, on va chez le mérif car on a découvert dans les épisodes d'avant qu'il était de mèche avec la nana là. Comment elle s'appelle, Gadu? Toi qui as tout suivi. Serena. Zarpédon, mais non, pas Serena. Serena, c'est la copine du petit claptrap bleu là. Enfin, la copine entre guillemets. Et il est jaloux parce que le mérif sortirait entre guillemets avec. Voilà, il vient. Hop. Voilà, ah. Tu vois. Il est jaloux. Jacune. Ah, dans ta tronche. Ah. Il va pas du bon côté là. Les bureaux sont en haut. Mais oui. Qu'est-ce que je suis drôle. Allez, on monte. Eh ben dis donc. Comment rallonger la durée de vie du jeu? Oula, t'as une position du tonnerre là. Eh hey, ouf. Ouvre. Voilà. On peut pas là. Faut voyager. C'est parti. Donc mon petit Gadu. Oui. Avec mon autre perso, Athéna, j'ai déjà fini le jeu, moi, en parallèle. Et donc? Oula. Et donc, il y a environ 70 missions. Et j'ai mis environ... Alors attends, on est rendu à 18h. Enfin, je suis rendu à 18h actuellement. J'ai dû mettre entre 14 et 15h pour le terminer. Ah, c'est reparti. C'est quoi cette fois? Ah, c'est Jax. Ah, écoute-moi. Oui. Tu as mis entre 14 et 15 heures, ça pour tout faire. Pour faire tout à 100%, y compris le boss final. Qu'ils ont remis un boss qui s'appelle Invincible. Alors ça, c'est une tradition dans les Borderlands de mettre des boss dits invincibles. Qu'il ne peut être fait en théorie qu'à 4, c'est le but. Et bah là, le boss invincible, je l'ai fait tout seul, avec Athéna. Et ça, c'est beau. D'accord, oui c'est pas mal. Ouais. Ah, en P1, je l'ai fait en P1, je sais pas ce que ça donnera en P2. Ah pardon, ça part. Et le P4 bon. Serena, mon amour, j'accours à tes côtés. Agent, ouvre-moi cette porte. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de la part d'un civil. Enfin, bon, comme de toute façon j'allais le faire. Oh, on peut s'arranger, mon Jaco. Je ne travaille pas vraiment pour Zarpedon. Acceptez, Meredith. Je vous arrête pour avoir enfreint l'article 31-10 du code moral d'Elpis qui interdit les relations sans licence entre... Oh mon Dieu, tu m'as piqué ma meuf, sale ordure. Ouvre cette porte. Ouvre la porte, vite. C'est rien. Voilà. Gagnant sur toute la ligne, c'est génial. Oh, le script. Jack, oh, mon Chucky, fallait me dire que t'étais en ville. The Mérif. Oh yeah. J'ai retrouvé le signal qui brouillait nos systèmes sur Helios. Ah oui, non, pardon. Ah oui, non, si. On n'était pas dans la vidéo, mais par contre, on est là. Le signal. C'est elle qui m'a forcé. D'où est-ce qu'elle venait? Je t'en prie, vas-y, mens un peu. J'ai vraiment envie. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Rien du tout. Je voulais juste te faire peur. Allez, maintenant, tu dégages. J'ai bien réfléchi. Il y a un moyen de revenir sur Helios. Je me rends. J'allais te laisser la vie sauve, espèce de débile. Mais c'est quoi ton problème? Ouh, c'était... vivifiant. Ok. Bon. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, mon super plan de génie. Pour reprendre Helios par la force, il nous faut une armée. Alors, on n'a qu'à en fabriquer une. Va faire un tour chez Springs. Je t'expliquerai en route. Moi, je reste là. Je vais fouiller dans les affaires du mérif. On va construire une super armée de robots. Ouais, génial. Voilà ce qu'il nous faut. Un châssis de combat bien solide et une IA militaire ultra sophistiquée pour le faire marcher. Springs pourra nous aider pour l'IA. Et Moxie, tu sais où je pourrais assembler des super robots? Vu que ce laser géant va tuer tout le monde, je connais quelqu'un qui voudra bien t'aider à trouver du matériel. Laisse-moi le contacter.
Je te tiens au courant. Ok, ça me va. Allez hop, au boulot, on a une lune à sauver. Qu'est-ce que t'as pensé de Jack quand tu l'as rencontré, Lilith? En sachant que Moxie t'avait plaqué pour lui, j'ai pas aimé ce type. En même temps, t'aimes personne. J'aime bien Brick. Et bim! Donc là, on découvre en fait que Jack commence à mal tourner parce qu'il avait jamais tué quelqu'un, enfin jamais tué quelqu'un d'innocent, on va dire, oui, de lui-même. Et puis là, tu vois, il voulait l'épargner au début et puis finalement, l'autre, en lui tirant dessus, Jack, il s'est vengé, il l'a buté. Enfin, c'est la première fois qu'il tourne vraiment mal. Enfin, excuse-moi, mais pour le coup, là, il s'est défendu, hein. C'est pas idiot. Bah oui, c'est ça, mais... Disons que d'habitude c'est des soldats, et puis là c'est plus un gars, un civil quoi, qui vient de buter. Donc c'est la première fois. D'accord. Et là, Jack il a un plan pour aller récupérer la lune. La station spatiale, il voudrait y aller avec une armée de robots. Alors évidemment, ceux qui ont fait le 2, ils savent. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Ils savent de quoi il veut parler, hein, l'armée de robots. Bon, si on se rappelle du 2, c'est. Ça va être les. Comment ils s'appellent là, les robots jaunes là? Alors j'ai plus leur nom en tête. Moi non plus, c'est vrai. Ceux qui arrivent à dupliquer les robots. Merde, j'ai plus le nom en tête. Bref, on verra ça dans la suite. On va voir Springs en attendant. Coucou! C'est elle? Moxie m'a dit que tu cherchais une IA militaire. Ah, on a pas changé de nom depuis le début. Hein. J'avais oublié. Chance, c'est Pickle, un ami à moi qui vit dans les Outlands. Il est presque impossible à contacter, mais je peux t'aider. Prends cet encodeur. Ok, donc là on va se barrer à l'extérieur, c'est ça? Bien. D'accord. Je t'envoie les coordonnées d'un vieux garage de dalle sur ton système Echo. Mets-toi en route, je vais t'expliquer. Okay. Sauf que... Ah. Ça c'est la mission principale, et il y a plein de missions annexes à faire. Regarde tous les petits points d'exclamation. Tu t'ennuies? Oh yeah. Hello. Alors on va aller d'abord réparer la broyeuse. Alors ça, c'est ça la broyeuse là. Mais t'as fait quoi pour la broyeuse? C'est la nouveauté du jeu. C'est le truc qui te permet de crafter des nouvelles armes. Ah, d'accord. Et donc, pour le moment... Attends, je regarde ce que j'ai sur moi. Tu vas montrer aux gens comment ça marche. Ah bah oui, mais il faut d'abord la réparer, je suis bête. Alors, c'est parti, on va faire ça. Ah bah alors attends, il y a d'autres missions à activer. Bon, on fera après, allez hop, c'est pas grave. Des armes, des boucliers, ce que tu veux. Et en gros, ce qu'elle est en train de raconter, Spring, c'est exactement ce que je vous dis. Hein. Tout à fait. C'est ce que j'ai remarqué. Ah, on voyage. Oh, sauf qu'elle était déjà activée avant, en fait. C'est juste qu'on s'en est pas servi. Et là, elle est cassée. Allez, porte des étoiles, on est parti. Oh putain, il y a 3 points d'exclamation. Oh non. Mais je peux t'aider en te filant un Stingray. C'est une vieille technologie de dalle. Ça ouais, pas il parle. Mais Moxie a bricolé le modèle. Du coup, ça saute aussi haut qu'un. Là, elle nous dit qu'en fait, elle pourra nous fabriquer un Stingray. Donc, c'est le nouveau véhicule du jeu. C'est pas celui qu'on a là. On verra ça après. Ok, bah je tire sur les ennemis. Hein. Ah, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je crois que c'était ça. Attends, détruire le buggy. Bah, si, c'est ça, merde. Ah! Je peux pas tirer si tu. Ah, ça y est. T'es gentil, je m'approche d'abord là. Alors pour info, quand on joue à deux, le clic droit te sert à viser plus près. Je sais pas si tu savais, mais... Ouais. Fouille les débris et trouve-moi le lien de désassemblage. Il a pas dû disparaître. Ok. C'est solide, ces petites bêtes. Voilà, les débris. Bleu, mais je crois qu'en roulant dessus, ça va plus vite. Attends-moi. Deuxième broyeuse. Elle est dans un camp de bandits dans une vieille gare. C'est deux oreilles pillards qui règnent là-bas. Les boosters. Vas-y faire un tour et dis que j'ai besoin de pièces de rechange. Alors attends, on va faire une autre mission qui est là, qui est sympa là. C'est ça, ouais. C'est l'optimisation des missions. Une petite course. Tu veux battre mon record, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Ah non, attends, tu vas pas réussir à la faire. Vas-y, enlève-toi là. C'est en temps limité. Non, t'es encore mal mis là. On verra ça, sale gamin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors il nous dit qu'en fait c'est le meilleur à la course, qu'on peut pas le battre, blablabla. Et il s'appelle Naki Pins, ça fait pas penser à Anakin, ça? Si, c'est exactement ça, c'est bien gagné. Voilà. Sauf qu'il faut prendre un buggy ici, je sais pas pourquoi alors qu'on en a déjà un. Attends, j'arrive. T'as trouvé ce morveux, c'est ça? Oh non, attends-moi. J'aimerais bien que tu lui donnes une bonne raclée. Et je crois que je suis pas la seule dans ce cas. Va te placer sur la ligne de départ, on va voir. Alors tu peux en prendre un, on peut faire la course à deux si tu veux. Ah bah carrément. Tout ce que t'as dès que les lumières s'allument. Fais redéployer l'autre buggy. Voilà, tu montes dedans. Nul. Tu me rattraperas jamais. C'est parti. Si tu réussis à le battre du premier coup, allez, viens où je suis. Encore plus de crédit.
On va montrer aux chiards qui c'est qui commande. Tu vas nous montrer comment tu fais ton départ, vas-y. Là. Ouais, c'est, j'y vais. C'est marqué sur la carte, avance là. Ah, tu veux que j'aille, d'accord, ok. Stop. Si tu mettais encore plus longtemps, on serait déjà la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Début du compte à rebours. Attends, attends. 5, 4, 3, 2, 2 et demi, 2, 1 quart. T'as l'enculé. Et 1, go. Et c'est parti. Voilà. Je voulais voir si t'allais te faire avoir en fait. Et non, raté. Enfin, j'ai hésité. Ah non, mais on fait pas là. Ah. Putain, en plus je la connais par cœur cette course. Bon, bah on refait, c'est parti. Pas de soucis. Ah, putain, on réapparaît à l'autre bout, c'est abusé. Comment tu sais? Oula, on est où là? Ah, c'est bon, on est pas très loin. Pousse-toi, voilà. Ouais, prends un autre buggy. Hein. Trop tard. Oh, putain. Je m'entraîne comme ça. Attends, mais c'est quoi ce bordel? Faut aller où là? Il y a des bestioles en haut là, je tire dessus. Hein. C'est bon, j'ai tué. Ah, d'accord, ça a pas remis à zéro le compteur en fait. Putain, c'est débile ça aussi. Oh là là. Oula, il y a une grosse bête. On va rater. Pourquoi il y a tout ça là? Pourquoi il y avait tout ça? Non, mais merde. Bon, bah c'est raté, on peut annuler. C'est raté. Non, mais je comprends rien, putain, pourquoi ça a pas annulé la course? Ah, je prends cher là, qu'est-ce qui se passe? C'est de la glace. Ouais, ça gèle dans un sens. Oh, le ractage complet quoi, putain. T'as sur mon caoutchouc, il aime pas ça. Bon, tu vois, regarde sous la mission, il y a un petit plus. Alors, la mission elle est où? Ah, oui, bon, d'accord. Bah, en haut à droite comme d'habitude. C'est pas sous la mission, c'est à droite de la mission. Non, non, mais il y a vaincre l'une stalker du premier coup en fait, c'est marqué. Ah. Bon, bah, trop tard, tu l'as pas vu. Et en fait, c'est des missions annexes aux missions annexes. C'est-à-dire que tu gagnes des petits bonus si t'y arrives. Tiens, bah regarde, là j'ai pris cher. Là. Tu gagnes des petits bonus si t'arrives à faire le truc qui est indiqué. Et là, en gros, c'était réussir la mission du premier coup. Ok. Ok. Donc c'est raté. Bon, bah, c'est pas grave, c'est le jeu. J'en ai marre de mourir par contre là, à chaque fois je suis down. Ah, ça y est. Bah moi je vais refaire la mission du coup, hein. Tu t'amuses à je sais pas quoi faire. Hein. Bah t'es où? Parce que moi je t'ai suivi, il y a des ennemis face à moi. Ah, j'en ai aucun moi, je suis rendu à la mission moi. J'arrive. Je cours. Sinon tu trouves un truc là pour téléporter directement au buggy. Ouais j'essaye, ah si y'en a un là, ouais. Effectivement. Ouais c'était du sarcasme. Si tu sais pas ce que bon, c'est, alors je refais, cette fois je me plante pas. J'aimerais bien voir la course en fait. Ah oui, je me suis complètement craqué, putain, je l'ai fait déjà 3 fois et là j'ai craqué, j'ai tiré tout droit, je sais pas pourquoi. C'est le stress du direct. J'ai froid, je vais mourir comme un con, moi je suis sûr. Ouais, je suis mort. Ok. C'est bon, on fait quitter puis reviens, quoi, on s'en fout. Enfin, pas quitter la partie, mais bah, tu fais comment? Sur E pour mourir plus vite. Ah, E pour abandonner, ouais, d'accord. Ok. J'ai rien compris, je sais pas pourquoi j'ai perdu de la vie. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Oh, cette perte de temps là, le craquage quoi. Ce sont des choses qui arrivent, mon cher Kim. Mais là, va faire son bruit de cochon l'autre là. Qui ça, moi? Non, le gars qui parlait là, ce Luke Skywalker là. Ah, faut qu'on soit tous les deux en plus. Bon bah, je t'attends. Voilà. Voilà. Cette fois, je me craque pas. Allez, ça s'active pas. Début du compte à rebours. 5, 4, 3, 2 et. La première fois, je me suis fait avoir ici. Il a fait 5, 4, 3, 2, 1, je suis parti. Donc là, fallait aller à droite. Allez, ouais, c'est ça. Et je me suis fait avoir encore une fois. Mais le truc est tellement mal placé, quoi, aussi. J'entends mon sang qui fait la holla dans mes veines tellement je suis fort. Oh non, je suis peut-être tellement doué que je vais exploser. Ah. Ils sont méchants, hein, les clients. Hein. Une fois que tu connais bien, de toute façon, ça se fait tout seul. Hein. Là, faut mettre un coup de boost. Pour pas tomber dans le truc de glace là. Voilà. Bah, c'est pas évident quand t'as la route comme ça qui est mélangée au décor, y a pas de tracé réel. En tout cas, les viewers verront ton skill. Y en a qui, je lisais dans les avis des gens, y en a qui sont pas contents du. C'est pas le maniement des véhicules en fait, c'est le fait que ça soit le bordel quoi, sur les nouvelles cartes. Hein. Ouais, on sait pas où aller quoi. Oh, c'est chaud! Non, c'est bon. Bah, elle peut pas s'en tourner, hein, pour info. Pour les viewers, vous le savez maintenant.
Voilà, 20 secondes d'avance, c'est bon cette fois-là. Et je me sentais pas bien. Il est où? Et puis j'avais un truc dans l'œil et je voyais pas où j'allais. Et puis je me suis laissé distraire. C'est pas juste. Ah, bien fait pour ta gueule. Napikins, tu t'es fait battre. Chasseur de l'arche, c'est ce petit ange lui-même qui te remettra ta récompense. C'est ça? Oh yeah. Bon, attends, reste dans le truc, reste dans le truc. Il y en a des ennemis derrière toi, hein, au cas. Mais c'est incroyable, peut-être t'as ta carte avec deux gros points rouges qui te bourrinent et toi tu vois pas. Je regarde pas la carte. Je regarde la belle voiture. En métal, tu viens de battre mon record en trichant. Ok. Bah ouais, en trichant, en trichant. Très drôle là qui va arriver, attends. Voilà. Chasseur de l'arche, j'ai bien fait ton manège. C'est Lungstalker. Lungstalker père est pas exactement un gros nounours amateur de Kalino. J'aurais dû m'en douter. Préférence évidemment Gadoche. Ah bah oui, il y a Luke Skywalker. Ah, c'est pas là, putain, j'en ai marre de cette carte là. Moi j'en tire dessus pour l'instant. Pas le relief sur la carte quoi, putain. Moi j'en tire dessus pour l'instant. Alors pour info. Je trouve pas où c'est pas là. Ouais. Ouais, ça marche bien, hein. C'est bien en fait d'être à deux, comme ça je t'aide vachement là au passage. Ah, j'ai pas besoin de viser moi. Attends, c'est là. C'est ouais. Là. Parce que conduire en mission annexe ici. Conduire en visant, ça doit être un cauchemar. Hein. Bah, t'es parti? Non. Bon, je te suis. Ce que j'aime bien avec William, c'est qu'on peut lâcher les robots et ils se débrouillent tout seuls, quoi. On dirait une de ces super armes laser là. Il faut qu'on essaie. Les pillards du coin se déchaînent un peu beaucoup ces derniers temps. On va tester cette arme contre eux. Alors là, dans ton inventaire, comment elle s'appelle la nana là? Ah, mais merde, je me fais canarder pendant que je parle. Regarde dans ton inventaire, tu as une nouvelle arme. Une arme de mission, ils appellent ça. Impossible d'ouvrir le menu. Ah, d'accord, pardon. Faut pas sauter. Allez. Faut que je choisisse déjà une arme. Voilà. Alors, une arme de mission, tout à fait. J'en ai une avec une petite étoile. Tu te fais canarder là. Dépêche-toi. Ah, bah, je suis mort. Bon, bah, je peux rien faire pour toi. Là. Si, bah, si, déjà, il faut que tu viennes là. Qu'est-ce que tu fous bah. Ah, oui, merde, je suis con. C'est vrai que j'avais zappé cette partie là. Je suis tellement pas habitué à jouer en multi. Désolé. Ah là, ça va être chaud. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Parfait, merci. C'est bon. Et monte dans le buggy. Ouais, j'arrive. Voilà. Laisse-moi le tuer. Et on s'en fout, c'est pas grave. J'ai pas le temps de m'équiper hein. Ce qu'on veut faire, c'est les missions. Et là, prends ton arme de mission là, Gadoche. Attends, je termine d'abord les ennemis là parce que sinon on a pas fini. Si tu veux. Sinon ils vont m'attaquer direct, j'ai plus de vie et voilà. Enfin, y'en a un qui est mort. Et là, le but, c'est d'utiliser l'arme de mission pour buter des ennemis. Alors, c'est chiant parce que c'est une arme blanche. Du coup, c'est pas une arme légendaire et tout. Donc, elle est un peu relou à utiliser. Ok, je la place. C'est le parti. Le but de cette mission, c'est de tester les armes laser. Normalement, c'est par cette mission que tu découvres les armes laser. J'ai pris cher, là, pour info. Utilise que ton arme de mission, Gadu. Ouais, bah c'est ça. Non. Si, c'est ça. Ah non, c'est C'est marqué avec une étoile dans l'inventaire. Ouais, tout à fait. J'ai plus de vie. Ah, putain. J'arrive. Ouais, c'est bon, il t'a réparé toi-même. Ça, c'est bien, par contre, ton truc, là. Oui, d'accord, ok, j'étais sur la mauvaise arme. Même ok, si on est d'accord. Utiliser des lasers dans le vide total, ils sont plus efficaces dans l'atmosphère parce qu'ils enflamment leur cible. Et pour ça, eh ben faut de l'air. J'espère que ouais, faut que tu te mettes dans la bonbonne d'air là, Gadoche. Tout à fait, les armes de feu ne marchent pas très bien en dehors. Enfin, ça marche, mais beaucoup moins bien. C'est super rapide en plus, hein, le tir. Ouais, mais parce qu'on est en mode normal, en P1 là. Je suis invisible. Cette mission, je l'ai galéré en P2. Hein. Je suis invisible. Oh. Ah, invisible. Par contre, c'est utilise cool. Pas trop ta capacité parce qu'il faut absolument buter les ennemis avec l'arme de mission. Oui. Et pas avec les autres armes. Je sais, là en l'occurrence j'ai de la chance, je suis invisible donc ça me va. Peut-être que c'est bien fait. Hein. Ah, fais chier, j'arrive. Fucker. J'arrive. Ah, c'est bon. Voilà. Ah, t'as pas besoin de moi en fait. Il en reste 6. Sachant qu'il y en aura pas 6 ici. Faudra aller dans une autre zone. Devine qui c'est. Voilà. Youp. Il est où le buggy?
Ouais, il est parti. Ah, il est... Bon, écoute, on veut. Attends, je termine celui-là. Il en reste deux, hein. Un à gauche aussi. Hein. Ah bah, c'est. Ouais, mais c'est que les ennemis dans le cercle qui clignotent. Alors attends, on va aller ailleurs. Parce que là, il y en attends, a. Attends, plus. Attends-moi, attends-moi. Allez, monte. Attends, je saute. Non, attends-moi. Voilà. Ça, c'est chiant, par contre, les sauts, tu vois. C'est... Enfin, c'est marrant, mais du coup, quand tu veux se faire un petit saut, bah, t'es baisé, quoi. C'est le problème. T'appuies sur C, ça réatterrit en. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En tombant très fort, là. Alors attends, il faut déployer le dôme, là. Ne déploie pas ta capacité. Ouais, je déploie pas ma capacité, je tire dessus, en fait, là. J'utilise pas le. Voilà, il y en a. Non, j'utilise pas mon drone, justement. Sinon, c'est mon drone qui va les buter. Ah, on a... voilà. J'ai pété le buggy. Je dis c'est pas grave, mais au fond de moi je me dis mais putain, ce gars tu. Mais quel boulet. Je vais mourir. Il me reste plus que 8 de vie, et ça y est, je suis mort. Enfin je suis mort, je suis tu sais down là. Ah. Faut se ressaisir. Ah ça va mieux, merci. Ah c'est sympa ça, on peut réanimer avec l'oxygène, ça va beaucoup plus vite. Mais comment ça, ça ah oui. On consomme 100 en oxygène à peu près. C'est quelle touche j'ai, c'est V c'est ça non. Ah je... Pour. C'est marqué en gros A. A ou E, ça dépend ce que ah bah, tu veux dire. Moi je vois pas puisque tu meurs jamais. J'ai crevé, moi. Moi aussi j'ai crevé, pour info. Ah, puis y'a plus la bagnole. Bah oui, je t'ai dit, je l'ai cassé. J'étais voilà, dedans et je me suis. Ah merde, c'est un ennemi qui l'a buté. Il en manque toujours que deux. Il en manque un. Ah, j'ai clamsé là. Ah, c'est la tour là-bas, d'accord, je me disais, qui c'est qui peut me canarder là. Voilà, c'est bon, c'est fait. Oui, elle est chiante hein, cette tour. Que je allez, tue-moi. J'ai clamé là. Ah putain, évidemment, au moment où je me barre. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'arrive. Enfin, j'arrive. C'est bon. Ça va mieux, on va dire. Allez, Galoche, tu suis. Ah, c'est cool là, mon robot là. J'aime bien ça. C'est bien pour les vidéos, ils butent les ennemis tout seul, comme ça moi pour l'instant je pars au téléporteur quoi. J'arrive hein, je cours, je me dépêche. Il y a des ennemis face à toi, là, ils sont big hein. Et hop. On est toujours en facile là. Hop, on retourne à Concordia. Alors il y a beaucoup d'aller-retour, mais bon c'est comme ça, c'est un jeu de rôle en même temps. Hein. J'ai pas eu le temps de te rejoindre là, bon, enfin bon, on voit où t'étais sur la carte. Sens. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, ok. Ah, on n'avait pas terminé aussi, broyeuse, merde. Faut trouver la deuxième ça, broyeuse. Gadoche. Elle est où la deuxième broyeuse? C'est le point d'interrogation? Attends. Ah, elle est ici. Attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai toujours mon arme de mission au passage? Parce qu'on n'a pas validé la mission. Là, on la valide. Bien calmé. Ah. J'ai bricolé un voilà, peu c'est validé. Alors, il y aura une deuxième arme de mission, tu vas voir. Ah t'as déjà pris le truc d'accord. Ah on traîne pas là. On traîne pas, par c'est contre, parti. C'est bizarre, parce que ça... Là on va sans doute faire un bon paquet de trucs à pied. Ah c'est dans cette zone là, ok, broyeuse. J'ai encore le fusil laser bah, au passage. Hein. Ah oui, je vois où c'est, ok. J'ai toujours le fusil laser. Allez Gadoche, amène-toi là. Je me rappelle où c'est. On va aller dans une zone où il y a une arme légendaire. Bah t'es où? Ah oui, ok. Où il y a une arme légendaire, mais que je pense qu'en P1, elle est pas dispo encore. C'est une arme, tiens-toi bien, Gadoche, son nom c'est Excalibatar. Et il faut 2500 points. Oh là, oh là, oh là, oh là. T'es nul, il faut 2500 points, comment ils appellent ça là? Des points brutas. 2500 points brutas, donc faudra être minimum en P2 quoi, pour. T'es où? Pour l'avoir. Ah tu tues pas l'ennemi avec moi, je pense que tu tues l'ennemi avec moi. Comment tu fais ah des non, sons moi là? Moi je suis en mode speedrun Gadoche. Hein. Ah t'es pas dans la voiture en fait, attends, je vais la grimper d'un coup. Ah je suis pas en haut. C'est pas grave. Je bon. Vais montrer au viewer où est Excalibatar, mais je crois qu'en P1 on peut pas. Ah. Voilà, désolé, petit coup de fil. Alors on est reparti mon cher Q, je te suis. Alors, suis-moi. Et on terminera après par par comment utiliser la broyeuse.
cette zone. Il y a beaucoup de carnage ici. Ah bah tiens, on va faire les deux missions d'un coup. Je crois qu'il y en a une deuxième. Ouais, c'est ça. Zap 2.0. Alors Zap 2.0, c'est... Ok. Équipe-toi de l'arme de mission. Mais ça y est, je l'ai depuis tout à l'heure en fait. On va aller voir Excalibatar au passage. Ok, tu es où là? Ça c'est une arme légendaire, à coup sûr on l'a quoi. Ah bah si, elle est là, elle est dispo, viens voir. Parfait. Je la vois d'ici. C'est un secret ça. Oh, c'est un secret sans être un secret quoi. C'est à dire que celle-là, il n'y a pas besoin de buter un boss en boucle. C'est un gars sur un forum, j'avais lu, hein, qu'il l'avait trouvé. Hop, la voilà. Et j'avais pas fait gaffe à l'aller. Regarde comment c'est beau. Attends, je vais la voir. Si je faille pas. Plein de butins. Ah, attends, regarde ce qui est marqué. Arme de légende, serez-vous une assez grosse brutasse? Eh ben non, puisqu'il faut 2500 points. Et regarde dans ton inventaire à combien t'es. Ouais, je vais te dire ça. Tu dois pas être à beaucoup. Alors les points, ils sont où, mon cher Cus? Cinquième onglet. Ok, j'y suis. Combien il en faut? 2500. J'ai 79, ok. Ça va vite monter, je suis à 2300. Moi. J'en profite pour utiliser mes jetons parce que je n'avais pas utilisé mes jetons. Voilà. D'ailleurs, j'ai aussi mes skills à monter, je pense. Je vais vérifier. Oh, oh putain, dis donc, ça bouine hein, mes tours là. Mes tourelles. Voilà, on est parti. Donc en fait, tu nous montres l'Excalibatar, mais on peut pas la prendre. Non, c'était juste pour montrer aux auditeurs où elle est. Comme ça, quand eux feront le jeu de leur côté, bah ils sauront. Allez, suis-moi là. Oui, j'arrive. Suis le point lumineux blanc sur la carte. Putain, les sauts, par contre, c'est vrai que c'est limite aussi. Enfin bon, bref, j'avance. Et toi, tu l'as chopé, je pense, dans ta partie. Non, pas de spoil, ne dis rien. Non, je l'ai pas chopé, moi. J'ai dit que j'avais 2300. Je pouvais pas la prendre. Je t'écoutais pas en fait. Mais le but c'est de la prendre au niveau 50, hein. Faut pas la prendre avant. Hein. Coucou. Oula. Oula. Ah, Gadosh, t'as entendu mon conseil. Oui, niveau 50, pas avant. On sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Bah sinon, elle sera à niveau 30, quoi. Enfin, elle sera en dessous du niveau 50. Niveau 50, tu l'auras au niveau max, comme ça, l'arme. Ah bon, parce qu'elle change en tu mets des torques à. Bah, j'imagine qu'au moment où tu la prends, elle est à ton niveau. Je me trompe peut-être, mais. Peut-être qu'elle est totalement cheatée et que. Oh là, j'ai pris cher. Non, mais y'en a plein hein, des armes légendaires dans le jeu, Gadosh. Y'a pas que celle-là. Hein. Celle-là, c'est qu'on peut l'avoir à coup sûr. Elle est toujours au même endroit, quoi. Voilà, j'avais envie, je suis désolé. Je sais qu'on devait utiliser les armes de mission, mais. Voilà. Non. Tu lis pas les missions, Gadosh. Si. On peut utiliser l'arme de mission sur les torques. C'est quoi les torques? Les torques, c'est des espèces de petites bestioles au sol. Alors, y'en a pas forcément ici. Ah d'accord, bon ça va alors. Faut aller plus loin là. Je t'ai perdu totalement, je ne sais pas où tu es. Ah t'es là. Bah regarde sur la carte. Je dis ça en plus, t'es juste sur moi en fait, c'est pour ça que je te voyais pas. Sur la carte. Oh yeah. Putain, il se. Allez, suis-moi là. Oui, tu es où? Ah c'est beaucoup plus facile en P1. Ah, franchement il n'y a pas photo le P2 mais c'est l'enfer tout seul. Ils ont refait la même chose que dans le 2 en fait. C'est-à-dire tu te fais complètement dépuceler la première fois que tu y vas quoi, en P2 quoi. Dépuceler. Le premier boss j'ai pas réussi à le faire tout seul. Dépuceler ouais. C'est-à-dire t'as l'impression d'être invincible à la fin du P1. Et en fait non. Et en fait pas du tout. T'es qu'une merde au début du P2 quoi. Je pensais que tu voulais dire gangbanger, mais c'est à peu près ça aussi. C'est un peu la même chose. Oh, Gadu, faut pas dire d'insulte en vidéo, c'est pas bien. Moi, c'est le gangbang personnellement. Hein. Je sais pas où t'es, mais c'est toi qui es devant moi là. Ah non, je suis complètement. Je suis loin là sur la carte. Regarde le point blanc là sur la carte. Bon, j'essaie de te suivre. Là. Ça, je vais mourir. Ah, ça y est. Les imbéciles, ouais, vas-y, shoot-moi encore. Mais viens par ici que je puisse te tirer dessus au moins là. Ah bah, je suis trop loin là. Mais j'ai pas le temps de venir. Non, je parlais à l'ennemi, je parlais pas à toi. Non, je me permettrais pas à toi. Ça va, tu parles à l'ennemi. C'est oui. Beau. Je disais, viens par là que je puisse te tirer dessus parce que je suis au sol, je peux plus bouger. Non, il reste de loin, il me snipe de loin. Bah, moi je fais la mission pendant ce temps. Voilà, ça y est. Et sort la matrice de réassemblage. Alors, ouais. je vais tenter de te rejoindre. Je dois être très très loin, bien sûr. Encore que non, là, je suis où là? Je suis en train de récupérer le. Je suis où là? Le truc pour la broyeuse là. Qu'est-ce qu'il nous fallait pour ouvrir cette broyeuse récalcitrante?
Je cours, hein, je sais pas où t'es, mais je crois que t'es très très loin, là. Enfin, je pense. Mais regarde, sur ta carte, la flèche blanche. Oui, oui, je la vois, la flèche blanche sur ma carte, mais... On va aller voir ici, si vous voulez. Regardez où il est, le Cherkus, sur la carte. Voilà, il est là, c'est-à-dire dans la zone d'ombre. Allez, je me dépêche. Oh, je suis sur le pont. Je vais revenir où t'es bientôt. Prendre les explosifs 2 sur 3. Oh, on a rien vu. Oh, cul, ça, c'est pas sympa. Voilà, là, je suis retourné où je suis mort. Alors, attends. Je contourne. Mais je sais pas ce que tu fous, là, sérieux. Tiens, je te mets exactement où il faut aller, là, sur ta carte en haut. Hein. Comment tu fais? Oh, dire... Ben voilà, je te vois là. Ouais, mais je cours, je cours. C'est bon, t'es assez long, super. Maintenant, fais tout péter. Yes. Voilà. Ça, j'aime quand ça pète. Ouais, mais faut pas que ça sorte mauvais après, quoi. Fais tout péter. Donc, okay. Rappelle-moi le nom de la planète, là, Gadu. Helios. Se non, Prépice. Helios, c'était la station. Prépice, non, c'est pas ça. Non, c'est Elchi, un truc comme ça. Là. Alors attends, on n'a pas fait ça, voilà. Prépice, quoi. Pardon, mes blagues de merde. Je suis désolé pour mes blagues de merde. Il y a bien Elpis. Allez, viens chercher Bonheur où je suis là. Il y a Elchi et il y a Elpis, c'est tout de moi, quoi. Mais non, mais. Mais attends, mais j'en discutais avec des gens, mais ils avaient même pas remarqué quoi que Elpis ça faisait Elchi ou elle. Enfin bon. Allez, viens ici, là on va buter du Torque. Tu prends ton arme de mission, Gadosh. Là. Alors, on en a pour combien de temps par contre? Parce que l'épisode touche à sa fin, mon cher Cus. Ah bah, on termine cette mission là, on revient, okay. Et terminé quoi. C'est parti. Pourquoi je prends le. Il durera peut-être un point plus longtemps, c'est pas grave. Ok. Allez, ces petites bestioles vertes. On faut être très près parce qu'il s'attire n'importe comment ce truc. Ah merde, ah oui, j'aurais pas dû faire ça du coup. Ah merde, je suis con, j'ai lâché les. C'est bon, il va mourir. Laisse-moi le tuer, hein, surtout. Hein. Parce que sinon, je vais pas réapparaître. C'est toi qui jette les trucs. Mais non, mais j'arrive pas à tuer la reine, j'en reviens pas, je suis à fond dessus là. Ça y est, ah enfin. Voilà, hop, oh, je suis encore mort. À cause des petites saloperies là, voilà. Non, t'es là, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Ah, je suis encore mort, mais c'est pas possible. Non, parce que en fait, je tue les petits. Je sais pas comment tu te démerdes, je meurs jamais, moi. Déjà trois fois. Trois fois là. Oh là là, critique. Oh là là. Ah, en fait, quand tu commences. Voilà, c'est bon. Quand tu commences à mourir, en général, tu meurs, hein. Ah, ça y est, j'ai encore pris cher. C'est pas possible, sans déconner. Voilà, je me casse. Mais t'es pas pote. Le tas, allez, suis-moi. On speedrun. On tire dessus, si on tire dessus, je suis mort. Hein. J'ai plus que 62 de vie. Ouais, parce qu'il y a une espèce d'ennemi limite boss dans cette zone. Il faut pas le faire, on n'est pas assez fort pour le moment. Là. Oh, c'est quoi ça? Ah, oui, c'est un ennemi qui a bugué dans le décor. Okay. Non, je voyais un truc de mon côté là qui traversait le mur. Là, faut revenir à la zone de départ, à la Concordia, donc t'es obligé de faire ce que je fais là, de booster. Hein. Mais en fait, tu vois, en mode un joueur, je fais échappe quitter, je suis au début de la zone, et hop, terminé quoi. En fait, t'es obligé de te retaper tout le trajet inverse. Je crois que la compétence que j'avais là, tu sais, le coup spécial, le F, la touche F, je crois que là, il m'a boosté carrément. Parce que je suis. Encore que je suis pas sûr. Mais j'ai l'impression que quand je l'étais, j'avais plus de vitesse et c'est le coup là où tu peux. Faut frapper au corps à corps là. Ah, ça y est, t'as fait voyage, d'accord. Je suis derrière toi, je suis pas très loin. Alors en fait, les compétences que Claptrap a priori, il y en a certaines, c'est les compétences des persos du 2. Par exemple, quand tu frappes au corps à corps, c'était la compétence de Krieg. Krieg, c'est le perso bourrin, enfin, bourrin au corps à corps du 2. Ça, c'est et par contre, Krieg pouvait se régénérer la vie. Et toi, je sais pas si tu te régénères la vie en tapant les autres, par contre. Krieg en allemand, ça veut dire guerre, ça. Ouais. C'est beau. Ouais, bah c'est un peu le genre. Attends, hein, où tu vas? On arrête la vidéo. On arrête la vidéo, mon cher Cus, là. Hein? Stop. Reviens par moi. On va pas valider, d'accord. On va pas valider. Ah, okay. D'accord. Il reste juste à valider. Attends, dans ce cas-là, je monte avec toi. Voilà. T'es où là? Ah, bah t'es. Non, mais c'est bon, j'ai pas besoin. Hein. Je te dis, je vais vite là. Mais y'a pas besoin d'aller si vite. Alors, dans les écrans de loading, à chaque fois que vous voyez une arme, en fait, c'est une arme légendaire. Voilà, c'était une anecdote.
Ok, on va où comme ça? On va aller de la mission. Les deux d'ailleurs. Ah, c'était de l'autre côté. D'accord. Et regarde, elle va nous montrer comment marche le... La broyeuse. La broyeuse, bah oui je sais, mais je peux pas accélérer la chose là. Allez, on se mène le cul là, je suis pressé là, allez, allez, allez. Tu vois ici là-bas? Place le lien de désassemblage et la matrice de réassemblage. On va voir si elle repart. Ouais. Ah. Ressuscité. Mais on va quand même s'en assurer. Alors Gadu, est-ce que tu as trois armes de la même couleur? Bien belle pièce d'équipement. Très probablement. Attends, attends, qu'est-ce qu'il raconte? Ou trois boucliers ou trois grenades, ça marche aussi. Ouais, j'en ai même six hein, de la même couleur là si tu veux. Ok, bah tu vas faire ce que je te dis. Okay. Tu t'approches du truc. Non, attends, approche-toi. Ouais. Okay. Sur eux. La broyeuse n'attend plus que toi. Allez, je sélectionne. Là, tu mets les trois que t'as de la même couleur. Essaye de mettre trois de la même couleur et du même type en plus. Ah, Si tu peux, hein, sinon c'est pas grave. Alors si, dans ce cas-là, si. Pourquoi c'est bon, t'en as mis 3. Ouais, voilà, ça y est. Oui. Ouais, ça y est. Sur Q. Voilà. Et attention, recule. Oh, regarde comme elle est belle. Génial. Doing, une arme bleue. C'est différente, mais malheureusement, aucun mode d'emploi. Pas mal, hein. Et elle est bien, l'arme bleue, au moins. Même si je crois bien avoir... Oh là, j'en ai plein d'armes bleues. Regarde. Ah oui, d'accord. Non, non, il y en a qui sont géniales. Impossible. Celle-là, elle est géniale. Et voilà, c'est bon pour cette fois. Voilà, on va s'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez... Non mais toi aussi, tais-toi. On va jamais la finir. Ah là, je suis dessus. Alors, ça c'est beau quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à liker, à tweeter, à partager, ainsi qu'à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.